66,39% des voix, c'est une victoire sans appel pour Thierry Boss, le maire sortant, réélu dès hier soir à Gironde-sur-Dreau, dans un contexte un peu particulier. En mars dernier, cette commune de plus de 1000 habitants n'avait pas été en mesure d'organiser des élections en l'absence de dépôt de liste. Après avoir jeté l'éponge, Thierry Boss a accepté de se représenter avec finalement face à lui deux autres candidats. Je trouve dommage qu'il n'y ait pas eu trois listes au départ, qu'il a fallu attendre tout ce temps. Mais on ne se l'explique pas. Et pourtant, on n'est pas, idiots, ni l'un ni l'autre. Ce week-end, 75% des Girondais se sont rendus aux urnes. Une forte participation pour cette commune dont les affaires courantes ont été gérées par une commission nommée par la sous-préfecture de Longon durant cette drôle de période transitoire. Quand vous vous retrouvez dans la seule commune de plus de 1000 habitants à ne pas avoir de maire, vous sentez quelque part une certaine responsabilité que je n'estime pas être juste, mais qui est la réalité. Donc vous prenez une décision. Samedi prochain, une fois le conseil municipal installé, le maire et son équipe pourront enfin se mettre au travail.